Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Instant Métier avec Vitrine Média, rendez-vous avec David. Il dirige l'agence David Dosres Immobilier. Je vais lui poser quelques questions, vous allez voir, ça va être super intéressant, suivez-moi. Alors je sais que tu es très actif justement sur l'organisation de différents événements. L'idée c'est de te faire connaître, c'est que l'ensemble finalement du public puisse connaître la marque. Les événements les plus marquants que tu as pu mettre en place ces derniers temps, c'était quoi, David ? Alors, on a fait un bel événement, c'était au mois de décembre. On a fait la dictée pour tous. D'accord. Qui est connue vraiment au national. Ouais. Hein. Justement, le créateur Abdelaboudour que j'ai rencontré sur la dictée pour tous à Houille. J'étais très fier de participer à cet événement-là. Et on a pu offrir 300 kits de rentrée. Avec des jolis sacs DDR emballés pour justement les enfants en difficulté sur une rentrée scolaire. Un événement aussi en date qu'on a fait au mois de décembre, c'est qu'on a fait amener le Père Noël dans toutes nos agences. D'accord. Donc le Père Noël est venu avec... Ça marche toujours. Hein, ça marche toujours avec ses petits lutins, ses bonbons, ses chocolats. Et les enfants avaient la possibilité de venir prendre une photo. On leur faisait une photo avec un Polaroid. Et surtout, ils pouvaient choisir leur livre de compte. Ils avaient aussi la possibilité de prendre quelques bonbons, chocolat, et repartaient avec leur petit ballotin. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire comme autre événement qui nous a porté à cœur ? Ça a été un concert. Carrément. Ouais. Ouais. Okay. On a réalisé un concert avec une belle artiste qui s'appelle Weshden. Donc les enfants, je ne te cache pas, étaient très friands de la voir en vrai. Et on a fait participer aussi un club de foot. D'ailleurs, vous devez apercevoir le maillot dans le petit cadre là-bas. Ouais, okay. Et on a fait la remise de prix. Pendant ce concert, on a fait la remise de prix du championnat de foot de notre club à Houille, le HAC. Bon, sport, culture, événements, tout est là. Il y a des projets qui sont à venir sur les prochains mois. Tu réfléchis à ça ? Des projets, oui. On a pas mal de projets en tête. Mais je laisse la petite surprise pour vous puissiez nous suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, tu es très très bon en communication sur les réseaux. Et puis, nos amis pourront retrouver toutes tes activités futures justement sur les différentes plateformes. Abonnez-vous et vous verrez qu'il y a des belles choses qui sont dans les tuyaux. Top.